on avait vraiment toutes les conditions réunies, c'est-à-dire du soleil, pour que le départ soit vraiment sympa, mais c'est surtout du vent, et du vent dans la bonne direction, c'est-à-dire du vent portant, du vent d'ouest en gros, et on va avoir ça sur toute la traversée, donc ça s'annonce une traversée assez rapide. Maintenant, la sortie du Saint-Laurent, on va aller doucement, parce que c'est quand même un bateau géant de 40 mètres, c'est très étroit. Donc on risque d'aller doucement au début et vraiment accélérer quand on va traverser l'Atlantique, mais on s'attend à faire à peu près un petit peu moins de 7 jours sur cette traversée. On est très content d'être venu à Québec, on a été super bien accueillis ici. Et des courses telles que celle-ci, il y en a très peu dans le monde qui sont aussi mythiques que la Québec-Saint-Malo. Donc on est ravis de prendre part à cette course pour la première fois pour l'équipe de Spinrift Racing et d'avoir amené ce bateau de légende, le plus grand multicoque au monde, ici dans cette ville pour cette course magique. Voilà, on est très enthousiastes d'y aller.